Les contribuables valaisans pourraient bénéficier d'un nouveau cadeau fiscal, le 10e en 12 ans. Le Grand Conseil est entré en matière ce matin sur une révision de la loi qui doit alléger la charge de la classe moyenne, mais pas seulement. Pour la première fois, on permet des déductions pour la formation professionnelle une fois la formation de base première acquise. En lien avec la mobilité, c'est quelque chose de très important. Deuxième élément, aussi c'est très novateur, nous reconnaissons le bénévolat pour les personnes aidantes. Et ceci est pour nous particulièrement important. On sait que dans notre canton, ça existe et nous voulons le soutenir, nous voulons l'encourager et nous voulons même lui permettre de se développer. Troisième élément, pour la classe moyenne, nous prévoyons une déductibilité des cotisations caisse maladie, dont chacun sait qu'elles ont un poids certain dans le budget des familles. Le cadeau fiscal doit coûter d'ici fin 2016 40 millions de francs pour le canton et 38 millions pour les communes. L'effort financier est jugé supportable par la majorité du Parlement. Seule la gauche s'est montrée réticente. Elle refuse l'entrée en matière. Jean-Ri Dumont met en avant les différents défis du canton. Le Valais devra investir davantage à l'avenir, ce qui sera plus difficile si ses revenus diminuent. Bien sûr, nous souhaitons soutenir la classe moyenne, mais on soutient la classe moyenne en défendant des services publics de qualité, accessibles pour toutes et tous, en soutenant l'école, la sécurité. Et pour ça, il faut des moyens à l'État, il faut des moyens aux communes pour une politique anticyclique, pour créer des emplois, pour faire la transformation écologique, pour faire la transformation de l'industrie, la transformation du tourisme. Après l'initiative Weber, il faut aider à la reconversion des entreprises. Et ça, ça demande des moyens pour l'État comme pour les communes. Marianne Marais, présidente de la Fédération des communes, ne cache pas, à titre personnel, ses inquiétudes face à la baisse des rentrées fiscales. Il faut quand même prendre compte que l'on a pris goût à une certaine aisance. Et ce fait-là a engendré chez nous des prises de risque par rapport aux investissements futurs. On a des planifications financières qui sont costaudes, toutes les communes. Et aujourd'hui, si on nous baisse les rentrées fiscales, on n'arrivera plus à assumer les projets que l'on s'est fixés et à assumer aussi le fonctionnement qui est le nôtre aujourd'hui, qui répond à un certain nombre d'attentes des citoyennes et citoyens. L'entrée en matière est acceptée par 85 voix contre 17. Le débat de détail est prévu jeudi.